décrochage du portrait, c'est vraiment pour symboliser le vide de la politique du gouvernement actuel. Et on n'est pas des criminels, quoi. Enfin, moi, je pense pas. C'est toi qui le dis, hein. Est-ce que tu penses que c'est ta place, toi, dans un tribunal? Bah, visiblement, aux yeux de la justice, c'est ma place. Macron et que son gouvernement ne comptent pas changer de cap. On fait pas ça pour nous, c'est pas pour nous dorer le blason, c'est on fait ça parce qu'il y a réellement une alerte. Qu'il y ait une extinction de masse, on est en danger en fait. Effectivement, progressivement, j'aurais peut-être plus envie de monter au front, quelque part. Nous avons décroché 82 portraits. Je regrette pas de l'avoir fait, clairement. Alors, on fait la sieste là? On pas censé être de dangereux criminels à vouloir la tête de Macron, tout ça? Si, bien sûr. On lâche rien. Salut l'internaute, nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2019 et je suis à Bonneville. Bonneville en Haute-Savoie, dans le 74, précisément devant le tribunal de grande instance où seront jugés très prochainement 7 dangereux criminels locaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé en réunion, c'est le chef d'inculpation, les portraits de Macron. Je ne sais pas si tu te souviens, tu vois, AMD COP21 avait organisé un peu partout en France le décrochage des portraits d'Emmanuel Macron pour le faire sortir dans la rue et lui montrer l'inaction politique en matière d'écologie. Voilà, le vide intersidéral qu'il incarne finalement. Alors on va faire le tour un peu, voir les manifestants, qu'est-ce qu'ils nous racontent. Et puis bien sûr, c'est cette dangereux criminel qu'on va rencontrer dès maintenant. C'est le 15 février dernier, lorsque le gouvernement adresse une réponse à l'affaire du siècle. Donc l'affaire du siècle, ce sont ces 4 organisations qui ont décidé de poursuivre l'État en justice pour inaction climatique et qui a été soutenue par plus de 2 millions de personnes. Donc cette réponse, en gros, elle nous dit qu'Emmanuel Macron et que son gouvernement ne comptent pas changer de cap. Que ce qu'ils font aujourd'hui en matière de politique climat est tout à fait suffisant et satisfaisant. Nous avons donc décidé de lancer une grande campagne de décrochage de portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies françaises, avec un double objectif. D'une part, laisser un vide à la place du portrait et ainsi représenter le vide de la politique climatique, mais aussi mettre en lumière l'énorme écart entre les beaux discours de notre président et la réalité concrète de ses actes. Le 21 février, dans 3 territoires, à Paris, à Lyon et dans le Pays Basque, les premiers portraits ont été décrochés et un appel a été lancé pour multiplier ces actions. Les demandes sont très claires et les portraits ne seront rendus qu'à 3 conditions. Le gouvernement doit, d'une part, dire la vérité sur le niveau de réchauffement auquel conduit la politique qu'il mène actuellement, et les impacts à venir pour les générations futures et les générations présentes en France. Il doit également limiter le réchauffement à moins de 1,5 degré en mettant en place dès aujourd'hui des mesures radicales dans tous les secteurs pour s'aligner sur cette trajectoire compatible avec 1,5 degré promis lors de la COP21. Et enfin, le gouvernement doit garantir la justice sociale en mettant immédiatement en place des mesures d'accompagnement ambitieuses pour les personnes les plus précaires et les plus vulnérables au dérèglement climatique. Les décrochages se sont multipliés partout sur le territoire et on fait face et continue à faire face à une répression complètement disproportionnée. On a vu ainsi de nombreuses auditions, des gardes à vue, des perquisitions et notamment 10 procès pour 36 personnes poursuivies. Le 23 mai dernier, 80 personnalités ont appelé à décrocher 125 portraits. 125, c'est le nombre de jours qu'il a fallu à la France pour dépasser son empreinte écologique. Ces portraits, on appelle à les réquisitionner d'ici le sommet du G7 qui aura lieu du 24 au 26 août à Biarritz. L'objectif sera de dénoncer à cette occasion-là, devant les 3500 journalistes venus du monde entier, que la politique nationale du président Macron en matière d'environnement et de justice sociale ne correspond en rien à ses grands et beaux discours internationaux. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de notre campagne? Nous avons décroché 82 portraits.
Alors, on fait la sieste là ? On lutte plus, on abandonne ? Si, on continue la lutte. C'est justement la sieste devant le tribunal en fait. Hein. Une première en France, hein, une sieste devant un tribunal. C'est une méthode d'action peut-être alors là, plus pacifiste ? Oui, je crois que c'est pacifique là, on peut le dire. Hein. C'est pas censé être de dangereux criminels à vouloir la tête de Macron, tout ça ? Si, bien sûr. On lâche rien. Et vous là-bas, ça se passe comment ? Je viens. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ici ? Alors, je sais que tu viens, comme tout le monde, soutenir les gens qui sont injustement devant le tribunal aujourd'hui. Mais au-delà de ça, même si c'est important, est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que ça s'inscrit dans une lutte plus globale pour toi ? Oui, ah bah carrément. Hein. Moi, je suis pour les gilets jaunes, je suis pour ANV COP 21. Je suis contre le gouvernement. Je veux absolument me battre contre les injustices en règle générale, l'évasion fiscale. Depuis que je suis adolescente, je suis vraiment dans les combats. J'ai fait certaines grèves. Voilà, je ne peux pas me mobiliser le samedi parce que je travaille. Mais sinon, je continue à me battre du mieux que je peux. Alors, je suis venue d'Annecy en soutien aux amis d'ANV là, qui sont conviés à ce procès. Et puis, parce que j'aime aussi ce côté militant. Engagé. Et surtout que moi, je n'ai pas eu le courage de participer à cette action. C'est intéressant ce que tu me dis là. Qu'est-ce que tu aimes déjà, pour la première question, ce côté militant là ? T'entends quoi par ce côté militant ? Qu'est-ce que tu aimes là, dans ce qui se passe ? Bah justement, des personnes qui ont pris des risques, que je n'aurais pas pris moi. Et quelque part, bah, c'est ma petite contribution à être présente ici, sans engagement vraiment et sans vraiment aucune prise de risque, c'est vrai. Là. Et tu parles de prise de risque, tu fais référence à quoi ? À la justice qui peut s'abattre sur toi ? Ou alors, et moi je te propose autre chose aussi, à les manifs qu'on voit en ce moment avec tous les risques qui visent notre intégrité physique ? Ben, c'est un peu tout. En fait, c'est un peu l'excès des réactions, des condamnations qui tombent. En même temps, là je vois sur Strasbourg, ils ont été relaxés. Alors je me dis, ça veut dire que la justice, elle ne fonctionne pas pareil partout. Et ça c'est révoltant. Oui, ça reste des juges finalement qui sont libres, comme on, voilà. Et oui, ça, la prestation est différente. Toi, en tant que militante maintenant, quand tu vois que ça se resserre un peu comme ça autour des gens, j'ai vu pas mal chez les Gilets jaunes des gens sortir et militer, commencer parce que violence il y a. Est-ce que chez toi, ça pourrait arriver ? Est-ce que finalement, de voir toutes ces personnes qui risquent leur vie, ça te donne encore plus de force pour militer ou alors ça te fait peur ? En fait, il y a les deux. C'est vrai que ça donne plus de force parce que c'est révoltant. Et en même temps, oui, il faut donner de soi pour y aller. Donc moi, dans ce genre d'action, je serais plutôt, je vais dire, peut-être petite main. Voilà. Être présente, mais peut-être que, effectivement, progressivement, j'aurais peut-être plus envie de monter au front, quelque part. Je vois que tu n'as rien sur toi, pas de gilet, pas de truc, pas de badge. Alors, ouais. Est-ce que... Une pancarte qui a filé là-bas, on a écrit vous parlez portrait, on vous répond extinction. Tout simplement, voilà, pour montrer un peu la mesure des choses. C'est qu'on va venir condamner des citoyens qui ont été honnêtes, qui ont juste voulu essayer de faire bouger les choses, et symboliquement en plus, même pas dans l'action violente ou quoi, vraiment juste symboliquement de réveiller en fait le gouvernement sur ce qui est en train de se produire, hein, ce qui est une extinction de masse. On est en danger en fait. Les ressources commencent à manquer. Il y a le dérèglement climatique qui va provoquer des épisodes de plus en plus violents. Il faut qu'on se prépare. Et là, pour l'instant, on ne fait rien. En fait, le gouvernement ne nous prépare pas. Donc, si on ne fait rien, on risque de se prendre le mur sans avoir rien préparé de base. Donc, pour atténuer. Je suis obligé de te couper parce que notre gouvernement a des réponses. Moi, j'ai vu sur BFM TV notre ministre de l'écologie enlever sa cravate. Ah, tu vois, j'ai écouté. Merci, Monsieur Durugy. Voilà pour faire, pour moins consommer d'énergie. T'es pas d'accord ? Je pense que... Ouais, c'est ça. C'est ça, il met juste pas de cravate, mais voilà. Mais c'est tout le système qu'il faut rechanger. Là, c'est notre mode de consommation, c'est revoir nos désirs, parce que si on continue comme ça, une planète par personne, ce sera juste pas possible. Quoi. Là, il faut changer, quoi. Tu crois que nos types d'actions, là, pour être un peu plus sérieux, pacifiques, symboliques, suffiront pour faire plier un système qui, apparemment, n'a pas l'air de vouloir bouger d'un iota ?
Non, je pense que là, c'est... Bah, en fait, cette action-là, elle est utile parce qu'elle permet de réunir les gens et puis de montrer qu'on est solidaires et tout ça. Il faut être le plus nombreux possible. Mais après, c'est sur tous les plans, en fait. Il faut vraiment faire une lutte globale où tout le monde y va de son côté. Vu que le problème est systémique, de toute manière, il n'y a pas une seule réponse. Il faut que tout le monde s'y mette à sa manière, avec les moyens qu'il a. Parce qu'on n'a pas tous les moyens de faire une action non-violente, il faut le rappeler. Hein. Avoir un risque d'aller au tribunal, tout le monde ne peut pas payer 600 euros d'amende comme ça ou avoir un casier judiciaire. Donc voilà, il y a plein d'autres types d'actions différentes, mais... Mais voilà, il faut que ce soit tous ensemble, quoi, et tous à sa manière. Il faut qu'on accepte toutes les luttes. Le but, c'est de converger, parce que sinon, on va tous mourir comme des cons, quoi. Donc voilà. Je viens vraiment pour dire que toutes les associations citoyennes doivent se rassembler. Elles ont toutes quelque chose à dire sur le climat, puisque là, vraiment, en l'occurrence, c'est bien la dérive de la finance qui nous amène à ne rien faire pour le climat. J'aimerais savoir le rôle que ça a, au-delà du soutien apporté moral aux prévenus, qu'est-ce que ça peut jouer sur le jugement qui peut être rendu, etc., le fait qu'on soit présent devant le tribunal. Bah, vous avez bien vu le nombre de personnes qu'il y a ici, et ça montre que c'est pas simplement 7 personnes qui vont être jugées, c'est nous tous, parce qu'en fait, nous tous derrière, on est comme eux, on a les mêmes convictions, on a les mêmes idées, on veut montrer que c'est pas 7 gugus qui sont allés faire une action, mais c'est des centaines, des milliers de Français qui sont derrière cette action, qui sont là, nous aussi on est présents aujourd'hui. C'est pas nous qui avons un procès, mais nous aussi on les soutient, et vous avez affaire peut-être à 7 personnes dans une salle, mais derrière ça, il y a des milliers de Français derrière qui ont les mêmes revendications. Est-ce que tu penses que ça peut justement ça jouer sur l'issue du jugement ? C'est évident. Je pense, pour moi, enfin après c'est mon avis personnel, ça peut varier, mais il me semble que c'est évident parce que en plus il y a la presse derrière, ça veut dire que c'est un mouvement qui est gros, qui a une connotation. Les gens ils font pas ça juste comme ça. S'il y a beaucoup de gens, ça veut dire qu'il y a un message derrière. Donc forcément ils vont devoir prendre en compte le fait que c'est un mouvement national, que c'est pas simplement 7 personnes mais des milliers de personnes. Donc ça doit avoir un impact sur leur jugement. Nous sommes toujours le même jour, au même endroit, et il est 14h30 et c'est l'heure de l'audience. Alors on va accompagner les prévenus et puis avec pas mal de personnes jusqu'au tribunal qui est juste ici. C'est parti. Aujourd'hui, tu es en train de marcher sur un petit trottoir là, direction un tribunal, ça te fait quoi ? Tout à fait. Ça me fait, je sais pas, je vais vers l'inconnu après. Après, vu qu'on nous a annoncé un report, je pense que c'est un peu moins stressant que si c'était vraiment l'audience aujourd'hui, quoi. Parce que c'est ta première fois devant un tribunal ? Tout à fait, ouais. T'es pas habitué, mais on m'a dit que t'étais un dangereux criminel. Eh ben non, on t'a donné des mauvaises informations. Puis, c'est cool de voir tout le monde qui nous soutient, donc non, je suis plutôt sereine. L'audience va avoir lieu aujourd'hui, mais en fait seulement quelques minutes, parce qu'ils viennent chercher leur convocation en fait pour la prochaine réelle audience. Elle a été reportée, d'ailleurs on va poser la question tout à l'heure. Pourquoi ? En tout cas, ils sont très soutenus. On va les suivre. Notez cette belle tête de criminel. Repas de justice. Alors, première impression ? Eh ben écoute, première audience de ma vie, donc voilà, c'est découverte. Après, y a un côté solennel, mais de toute façon, on est tributaire de ce que décide le tribunal. Trop de travail, mais vraisemblablement, ils ont envie de continuer, puisqu'ils nous recitent d'ici le mois d'octobre, le 17 octobre. Donc on reviendra, et puis ça durera un peu plus longtemps, a priori, parce que là, ça a été un peu express, quoi. Mais voilà. Donc oui, comme tu me disais, c'est ta première expérience dans un tribunal. La mienne, je t'avoue aussi, je n'ai jamais rentré dans... Ça fait... Effectivement, il y a un côté solennel, etc. Est-ce que tu penses que c'est ta place, toi, dans un tribunal ? Visiblement, aux yeux de la justice, c'est ma place de délinquant. Moi, c'est vrai que décrocher un portrait symboliquement qui vaut 8,70€ et qui a été offert, enfin, la notion de vol en réunion, elle est relative. Non, c'est pas ma place, clairement. Après, est-ce que c'est la place des militants à un moment donné qui cherchent à interpeller quelques consciences et quand on voit qu'un président respecte pas ses engagements, en termes éducatifs, ça pose des questions. Moi, je suis éducateur, donc ça m'interpelle, quoi, de voir qu'on peut prendre des engagements solennels et puis s'asseoir dessus et quand on leur rappelle les engagements, finir au tribunal. Non, c'est pas ma place, quoi. Tiphaine Baron, avocat au barreau d'Annecy. Vous me disiez tout à l'heure que vous faites partie des 4 avocates ou avocats qui aident, si je puis dire, tout du moins qui
expliquez-moi, assiste, voilà, c'est prévenu. Un petit mot après cet avant-goût, en fait, aujourd'hui ? Alors oui, c'est clairement un avant-goût, puisque le dossier a fait l'objet d'un renvoi à la demande du tribunal. Nous ne nous sommes évidemment pas opposés à cette demande de renvoi, puisque voilà, on comprend bien sûr les obligations d'une juridiction. Néanmoins, il ne faut pas oublier l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, hein, cette urgence climatique. Et donc voilà, le dossier est renvoyé au 17 octobre, nous aurons l'occasion d'en débattre. Le tribunal nous a promis un temps de parole large, donc nous attendons ce 17 octobre avec impatience pour que nos clients puissent s'exprimer justement sur cette urgence citoyenne dont ils se sont saisis. On a appris tout à l'heure que la relaxe a été prononcée à Strasbourg pour d'autres militants là-bas. Vous étiez au courant à ce moment-là ? Le dossier de Strasbourg est un dossier très différent, donc je ne me permettrai pas de commenter cette décision de justice qui ne peut que nous réjouir, mais voilà, c'est une décision, c'est un cas de figure très différent. Bon, j'ai pas de questions précises à vous poser comme ça directement parce qu'on a déjà eu pas mal de réponses. Peut-être une réflexion, quelque chose, un message à dire aux gens qui vous regardent sur internet, parce que finalement, là, les gens qui sont là, ils sont là, hein, mais c'est intéressant d'après de voir que des milliers de gens vont pouvoir écouter ce que vous allez éventuellement dire après dans le micro. Donc si vous avez quelque chose, c'est pas pour foutre la pression, hein, mais qu'est-ce que ça te fait de vivre ça aujourd'hui ? Bah c'est assez fort, on pensait pas avoir des répercussions, que tout ce mouvement ait une aussi forte répercussion, qu'il y ait un soutien aussi grand. Après on fait pas ça pour nous, c'est pas pour nous dorer le blason, on fait ça parce qu'il y a réellement une alerte et on espère que les gens qui nous regardent ou qui sont au courant de tout ça nous soutiennent parce que c'est pour notre avenir et il y a de plus en plus de jeunes qui se mobilisent parce qu'ils voient leur avenir pourrir. Et voilà, c'est pas pour nous, quoi. C'est pour l'avenir. Il y a Anne tout à l'heure qui a rappelé un truc intéressant, elle conseille de ne pas décrocher les tableaux comme ça à l'arrache. Est-ce que vous avez suivi une formation, un truc, machin ? Ben oui, ANV propose une formation justement pour la désobéissance civile parce que ça se fait pas n'importe comment. Donc il y a tout une espèce de protocole à suivre avec des règles de conduite, avec des signes à apprendre, des règles de conduite, c'est ça, pour apprendre à agir en restant en sécurité et en allant toujours au bout de nos convictions, mais dans le bon sens et sans dépasser les limites, justement. Et les formations, elles sont données un petit peu partout en fonction, on peut le voir sur le site internet, sur les réseaux d'ANV, dans différentes villes, là où il y a des groupes, et il y a des dates régulièrement, voilà. Tout à l'heure, encore une fois, je rebondis sur des choses que j'ai entendues. Un objectif est à atteindre de décrochage pour le G7. Est-ce que quelqu'un peut m'en dire deux mots ? Est-ce que tu sais ? Tu sais ? Il y a 125 portraits, il y a un appel à décrocher en tout 125 portraits. 125, c'est le nombre de jours que la France ou l'Europe, que la France met pour utiliser ses ressources naturelles. Et symboliquement, décrocher 125 portraits pour le G7, pour en parler au G7. Quoi. Pour que tout le monde parle un petit peu, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette action-là ? Est-ce que tu es déjà militant avant ? Est-ce que tu as une grande carrière derrière toi de militantisme ? Oui, j'ai une longue carrière de militantisme depuis la RSMB, ANV, puis les mouvements un petit peu régionaux, etc., qui prônent qu'il faut mieux faire déjà le ménage bien chez soi avant de vouloir le faire chez les autres. Mais les autres, c'est la terre, et donc c'est un engagement qui est global et qui se doit de dépasser plein de concepts. J'ai hâte aussi d'être au procès des écocidaires du système. Si ça serait à refaire, j'imagine, enfin, je ne vais pas répondre pour vous, si ça sera à refaire, vous referez la même chose ? Honnêtement, ça vaut le coup de poser la question, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir autant de suites judiciaires. On imaginait le potentiel, on connaît avant d'agir que ça faisait partie des chefs d'accusation, le vol en réunion. Après, ils ont fait un tir groupé, ils en ont pris 7. On ne s'attendait pas à ce que les 7 passent au tribunal. Maintenant, honnêtement, maintenant qu'on y est, qu'on voit comment ça se passe, il n'y a aucun regret. Refaire la même action, bien sûr. Ouais, pas de souci. Enfin, à titre personnel, hein, je ne regrette pas de l'avoir fait, clairement. Et, Vous non plus, là ? Tu ? J'espère ne pas avoir à le refaire. Ce qui voudrait dire que le climat serait de nouveau à sa place. Une question bonus comme ça, est-ce que en dehors des actions coup de poing comme ça, est-ce que vous faites partie des gens qui manifestent en jaune ou pas, d'avant, de demain, dans les rues de France en ce moment ? Les marches pour le climat notamment,
Et c'est justement suite au fait qu'on a l'impression que ça ne bouge pas. Enfin, le fait de marcher, juste marcher, il n'y a rien qui s'est passé depuis septembre dernier où ça a commencé. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'on vire un petit peu vers des actions un peu plus dérangeantes, entre guillemets, parce qu'encore une fois, voilà. Encore une fois, on n'est pas des criminels, quoi. Enfin, moi, je pense pas. Toi qui le dis, hein. On verra le 17 octobre. Non, mais c'est vrai que dans la vallée de l'Arve, là, depuis le mois de novembre, etc., il y a eu pas mal d'actions. Ça a valu un joli papier, d'ailleurs, local, regain de militantisme au pays du Mont-Blanc, avec voilà, des interviews d'ANV, des différents mouvements qu'il y a, que ce soit la pollution de l'air ou les enjeux sociaux aussi, de justice sociale qu'on défend aussi. Et aujourd'hui, c'était canicule et on voit bien aussi que ceux qui sont dans les barres HLM, ils ramassent plus que les autres. Donc voilà, le climat et le social, c'est deux trucs liés et il ne faut pas l'oublier non plus, quoi. Bien sûr. Bah, merci à toutes et à tous et au 17. Merci. Il est 15h30 à peu près et tout se termine pour aujourd'hui. Alors pas tout à fait parce que sur Bonneville où nous sommes aujourd'hui encore une fois, le groupe se reste ensemble pour un concert au bar Léman à côté de la gare, etc. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous le 17 octobre à 14h, on l'a vu, pour le réel dénouement de l'histoire en ce qui concerne les 7 prévenus ici. On reviendra avec nos caméras. Et pour terminer, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. Si tu as apprécié ce travail, tu peux nous aider sur tipeee.com/10000choses à te dire à partir de même 1€ par mois. Ça change tout, ça aide vraiment à pouvoir réaliser tout ça. Et à la prochaine parce qu'on a encore 1000 choses à te dire. Ciao.